Aujourd'hui, nous allons voir comment déconnecter notre compte Gmail à la fois sur notre téléphone et de toutes nos sessions en même temps. Pour commencer sur notre appareil mobile, on va ouvrir l'application, puis on va se rendre sur le choix de notre compte de messagerie en haut à droite de l'écran. On va sélectionner la fonctionnalité gérer les comptes sur cet appareil. Ici, on va avoir accès à la gestion de nos différents comptes installés sur notre smartphone. Dans un premier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement désactiver la synchronisation des données de vos différents comptes et donc de vos messageries. Sinon, pour aller plus loin, on va choisir le compte que l'on souhaite déconnecter en appuyant sur synchronisation du compte. On peut également stopper sa synchronisation Gmail. Et si vous souhaitez le déconnecter complètement de votre mobile, vous appuyez sur supprimer le compte et vous validez. Pour aller encore plus loin, vous avez également la possibilité de déconnecter toutes les sessions sur votre messagerie. Pour cela, vous lancez votre navigateur internet. Vous vous rendez sur le webmail à l'adresse mail.google.com. Si vous êtes sur ordinateur, c'est très bien. Si vous êtes sur mobile, vous allez dans le menu en haut à gauche. Pour information, pour déconnecter simplement cette session, vous appuyez sur l'adresse email de votre compte et sur déconnexion. Sinon, vous retournez sur l'écran précédent, vous descendez tout en bas et vous appuyez sur bureau. Ainsi, on va vous l'afficher comme si vous étiez sur ordinateur. Ensuite, au milieu de l'écran et juste en dessous de votre messagerie, ce webmail vous affiche votre dernière activité. En allant dans les détails, vous allez pouvoir consulter toutes les dernières connexions à votre messagerie avec les types d'accès et leur adresse IP. Et juste au-dessus de ce tableau, vous avez la fonction se déconnecter de toutes les autres sessions web Gmail. Ainsi, en utilisant cette fonction, la déconnexion de toutes les autres sessions est effectuée. Et pour terminer, vous n'avez plus qu'à vous déconnecter de cette session en cours tout en haut à droite de votre écran. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.